C'est bon, ça commence. Alors, bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Jalbi. Je suis professeur de guitare à l'école intercommunale de Béziers-les-Biterrois. Et je vais vous faire un tuto, non pas pour vous expliquer comment il faut jouer cet appareil à six cordes, mais comment il faut récupérer le médiator, le bout de plastique que vous voyez là, quand on le tombe dans le trou. Parce que moi, à mon âge, les médiators dans les trous, j'en ai tombé plein. Alors voilà, je joue là. Oh, on marque au passage le. Mon médiator que j'avais payé au moins un demi centime d'euros. Alors je vous explique comment il faut faire. Que de nombreux élèves me posent la question. J'en ai discuté justement avec Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones. Alors, je vais vous montrer. Le médiator, on ne sait pas où il est pour l'instant. On ne sait pas où il est. Bon. Alors, le but étant de le faire venir comme ça. Par de petits à-coups brefs, voilà, hop, sur la petite étiquette que vous voyez là. Vous voyez l'étiquette là? Vous voyez l'étiquette? Voilà. Et maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle la force centrifuge. Regardez bien. La force centrifuge qui va me permettre d'exercer une poussée de, oui, de haut en bas et qui va faire décoller le médiator. Ceci afin de le faire tomber aux alentours du trou qui est ici. Alors je vous montre, parce que c'est un mouvement très rapide, hein, comme un petit scarabée. Attention, hop, et voilà. Et là, vous voyez, ce n'est pas un trucage. Voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous abonnez à ma chaîne YouTube, c'est 92 € par semaine. Voilà, merci et bonsoir, messieurs dames.